écouter comme les disciples. Parle-nous, nous avons besoin de ta parole pour notre préparation finale. Dieu Tout-Puissant, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Manifeste-toi puissamment, même au travers de la louange, que tout ce que nous ferons ici puisse donner gloire à ton Saint-Nom. C'est pourquoi par le nom de Jésus, le nom du Dieu Tout-Puissant, le nom de notre Rédempteur, nous chassons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ en ce lieu. Nous le repoussons au loin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Règne au milieu de nous, manifeste-toi puissamment, accorde-nous la joie du salut, que tout ce que nous ferons du début jusqu'à la fin soit suit la dictée du Saint-Esprit. Tout cela nous l'avons demandé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons le frère Moké. Zambé Apambola Bino. Je suis cantique numéro 81. Yesu akufe la kinga nangomba o nangomba nangomba nangologota kolo Yesu akufe la kinga nangomba nangomba nangologota Nangomba Kuna ngomba Kuna nangomba nangologota Kolo Yesu akufela kingo nangomba Pona yango bato nyonso bakoki kozwa kobikisama kimya kopetolama Yesu akufela kinga nangomba
seko Peo jali nanga Fanda kana motema Pitola pitola ngay Pesamo santu na yo Tesu Akufela kinga Nangomba Cantique numéro 91, Trolantangona 92. 91, 92. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime. Oh oui, j'aime. L'homme de Galilée, mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime. Oh oui, j'aime. Il fut crucifié à Golgotha pour me sauver, me donner la vie. Oh, quel bonheur de vivre avec Jésus! Il est tout pour moi, je lui appartiens. Oui, j'aime. Oh, oui, j'aime. Jésus, l'homme de Galilée, mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime. Oh oui, j'aime. Toi mon frère, toi ma soeur dans le monde, viens à Jésus qui est tout pour ta vie. Il te demande de croire sa parole, par sa parole il jugera le monde. Oui j'aime, oh oui j'aime. Jésus, l'homme de Galilée, oui, j'aime. L'homme de Galilée, oui, j'aime. L'homme de Galilée.
ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, guide fidèle. Voudrais-tu goûter le parfait bonheur? Le ciel est ouvert à tout être humain. Oui, j'aime. Oh oui, j'aime. L'homme des Galilée. Oui, j'aime Jésus, l'homme des Galilée. Oh oui, j'aime. Oh oui, j'aime. Le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle. Laissez la folie et la vanité. Le sang de Jésus a tout effacé. Oui, j'aime. Oh oui, j'aime. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Dieu dit, amen, un pécheur comme moi. Il a changé ma tristesse en joie. J'étais sans repos, il m'a ramené. Qu'il est ce merveilleux amour. Pécheur tel que moi, qu'il est ce merveilleux amour. Oh, oh, oh amour. Oh, oh, oh. Qu'il est ce merveilleux amour. Et Christ s'est donné librement pour moi. C'est la coûta, sa mort sur le calvaire. La langue humaine n'a pas de noble thème. Comme cet amour qui m'est sauvant. Oh, oh amour. Oh, oh, oh. Un pécheur tel que moi, quel est ce merveilleux amour. Comme moi, les pères pourvus et les sauveurs mourus, c'est les rachats pour un esclave indigne qui longtemps méprisa la grâce. Oh, 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 oh amour, merveilleux, ah, oh, 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 qui Dieu m'a, un pécheur tel que moi, qui est ce merveilleux. Oh, 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 amour. Oh, oh, oh. Quel est ce merveilleux amour. Et maintenant, il m'a pris comme un fils. Mais dit que je ne suis pas serviteur. Les cloches sonnent non loin du pays. Les bras sont largement ouverts. Oh, oh, oh amour, merveilleux. Oh, 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 un pécheur tel que moi, quel est ce merveilleux amour. Qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Oh.
Oh, qui soit loué. Oh, qui soit loué. Oh, qui soit loué. Oh, qui soit loué. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. Et qu'il puisse bénir chacun de nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Je suis une fois de plus dans la joie de nous retrouver parmi le nôtre. Je ne suis pas visiteur. Je suis enfant de la maison. Là, je suis chez nous. Chaque enfant chez eux, il est content, il est heureux, il est fier. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous. Je vous transmets les salutations de frère Cédric qui est pasteur de la Kanyakala où je sers le Seigneur. Je vous transmets aussi les salutations de frère Jacques Baizire, j'avais parlé avec lui. Et de frère Patrick Kazadi qui est technicien là. Ils vous ont salué au nom du Seigneur Jésus. J'ai dit merci aux anciens d'avoir permis que je puisse prêcher à leur place ce soir. En particulier, je remercie le berger Sam de ce qu'il a trouvé bon que je sois là. Et surtout, je lui dis encore merci de ce qu'il a accepté enfin de sanctionner notre ministère. En réalité, ce n'est pas notre ministère, mais c'est son ministère à lui. Le ministère que nous avons, c'est en réalité le ministère du Seigneur. Si nous prêchons ici, c'est parce que lui n'est pas là. Le jour où il reviendra, l'auteur du ministère, nous n'allons plus prêcher. Côté à parce que lui-même sera là. Que son nom soit loué pour ça. Et qu'il vous bénisse tous. Nous allons nous lever pour la lecture des Saintes Écritures. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. 34 et 35. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Binope. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, on ferme les yeux. Tel que je suis. Sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, il t'a qui m'appelle.
chacun prie le Seigneur. Mon corps, mon corps, bondez la colo. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te louons, Seigneur. J'avais quitté, Seigneur, cet endroit. Tu as permis une fois de plus que je puisse retourner, Seigneur. Loué soit ton nom, Seigneur. Tu as promis dans ta parole que chaque fois que nous allons nous réunir, deux ou trois, toi tu seras là. Seigneur, mes bien-aimés ont abandonné leurs occupations. Ils ont quitté, Seigneur, tout ce qu'ils faisaient. Ils se sont dit, l'heure est là pour aller écouter Dieu. Seigneur, je ne pense pas qu'ils sont venus écouter un homme comme moi. Je n'ai rien à leur donner. Je manque de tout. Je manque de sagesse. Je manque d'intelligence. Même de capacité, je n'en ai pas, Seigneur. Mais je compte sur toi, Seigneur. Parce que ma capacité ne vient que de toi. 200 ce soir, Seigneur. Positionne ton peuple. Délivre ton peuple. Aide ton peuple. C'est que moi je te demande, Seigneur. Que tout honneur puisse te revenir. Que toute gloire puisse te revenir. C'est que moi je veux. Que tes enfants soient édifiés. Que tes enfants soient dans la joie. Et que le perfectionnement, Seigneur, soit plus qu'évident, Seigneur, dans le cœur de ton peuple. Pardonne nos péchés. Nous sommes des hommes, Seigneur. Tu sais pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas encore revenu. C'est parce que tu connais que nous avons encore le chemin. Viens nous aider au moyen de ta parole. Du début de ce culte jusqu'à la fin, nous voudrions voir Jésus. Seigneur, fais cela. Manifeste-toi dans les noms qui est au-dessus de tout nom. Les noms précieux, les noms puissants, les noms du vivant, celui de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons demandé par la foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Dieu voulant, à partir de ce soir, Nzambe kolinga ka uta pokwa na lelo. Nous allons partager ce petit sujet qui est au tableau. Toko kabola mokonja mokezo mina itando. Un commandement nouveau. Lila komoko ya sika. Ça ne sort pas de notre tête. E wuti na bongo na bisote. Ce sujet là, c'était sorti de la bouche du Seigneur lui-même. Mokonja mona mobimaki na monoko na kolo yemei. C'est quelque chose à ne pas négliger. C'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Parce que c'était pendant le dernier moment du Seigneur sur la terre. C'était des dernières ordonnances qu'il donnait aux disciples. Alors qu'il s'approchait de la mort, il a commencé à parler maintenant des choses profondes à ses élus. Et ce commandement qui est appelé le commandement nouveau, lorsque le Seigneur l'a institué, Judas n'était pas avec les autres. Judas Azaki et Longona Baningate. Judas était déjà sorti. Judas Asinaki Kokenda. Judas était déjà parti. Judas Asinaki Kobiba Kokenda. C'est quand les élus de Dieu étaient restés. Et le Seigneur s'est bien rassuré qu'il n'y avait aucun appelé. Il a institué ce commandement qui est appelé un commandement nouveau. Lorsque Judas est sorti, lisons cela. Jean 13, 30, 31. Judas, ayant pris les morceaux, s'est hâta de sortir. Il faisait nuit. Wana et Jalaki Boutou. Lorsque Jésus et lorsque Judas fit sortir, Jésus
dit. Il a attendu que Judas puisse sortir. Azela qui était Judas yabima. Pour qu'il ouvre sa bouche devant ses disciples. Pourquoi j'ai pour la monokona et liboso na ba basali na ye ba pona mina ye. Pourquoi mon frère ma sœur? Tu n'as pas l'angoisse pour la gombe balipe moi si. Si tu n'es pas un élu de Dieu. Soto zali bo pona mina zambete. Tu ne sauras vivre ces commandements nouveaux. Okoko kate kobika ila ko yasika. Parce que quand le Seigneur l'a institué, Judas n'était pas là. Judas y azala kite. Il n'y avait aucun pharisien. Mon pharisien, il n'y avait aucun sadducéen. Sanduka, il n'y avait aucun docteur de la loi. Kisimoka, mon côté, il n'y avait aucun appelé. Mobianga, il n'y avait que les élus du Seigneur. C'est pourquoi, quand vous voyez quelqu'un qui aime toujours haïr, qui cherche toujours des problèmes, ne vous dérangez pas. Parce que lorsque le Seigneur avait institué ses commandements nouveaux, il n'était pas là. Rien que les élus de Dieu peuvent aimer de cet amour. Les autres vont se débrouiller. Ils vont manifester un amour apparent. Mais leur amour aura bien, bel et bien de limites. C'est vrai. Solo. Ne peut aimer de l'amour du Seigneur. Il n'y a qu'un élu de Dieu. Parce qu'il était là lorsque le Seigneur instituait ces commandements-là. Colossiens, chapitre 3. Confirmons ce que nous venons de dire. Colossiens chapitre 3 verset 12. Et nous allons prendre le verset 14. Ainsi donc, Nabongo, comme des élus de Dieu. Lokola baponami banzambe. Comme des élus de Dieu. Baponami nanzambe. Retenez ça. Bo simba eloko. Ainsi donc, Nabongo, comme des élus de Dieu. Lokola baponami nanzambe. Saint. Baboulami. Et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 14. Mais, par-dessus toutes ces choses, par-dessus le sentiment de compassion, par-dessus le sentiment de bonté, par-dessus le sentiment d'humilité, de douceur et de patience, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. On demande cela qu'aux élus de Dieu. Les autres vont se débrouiller. Mais ils n'arriveront jamais à aimer de l'amour du Seigneur. Beaucoup pensent qu'ils ont l'amour. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons comprendre que beaucoup n'ont pas cet amour. C'est adressé seulement aux élus de Dieu. Yango et lobami kaka na bapona minanzambe. Un élu de Dieu. Mo pona minanzambe. Il ne se laisse pas influencer par la manière d'aimer du monde. A komiti katete azo etindi kelo uta motino kolinga ya mokili. Le monde a ce qu'il appelle aimer. Mo kilezana oyo yango ebenga kaete kolinga. Les élus de Dieu ont aussi leur manière d'aimer. Bapona minanzambe bazali pe na motino na bango ya kolinga. Les élus aiment de la manière du Seigneur. Bapona mibalinga kana motindo na kolo. C'est vrai. Solo. Avant que le Seigneur ne parte, yamboniete nkolo akenda. Il a institué ses commandements nouveaux. Et remarquez la manière dont il a insisté. Là dans Jean chapitre 13 toujours. Au verset 35. Comme il devrait quitter le monde. Il devrait laisser quelque chose qui identifierait ses disciples. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de religions. Les kimbangistes portent le verre blanc. Lorsqu'on voit le verbe, on se dit ça c'est un kimbangiste. Les musulmans portent des longues robes. Lorsqu'on voit ça c'est un musulman.
Les branamistes, tu le verras avec des photos du prophète. Lorsqu'on regarde, voilà, on s'est dit celui-ci c'est un branamiste. Les postes, on appelle les postes, les gens qui n'ont pas de cheveux là. Lorsqu'on les voit avec de l'air covo, ainsi que la barbe et l'air canne, on dit ah, là ce sont les postes. Les seigneurs aussi, ils voulaient que ses disciples aussi soient identifiés. Le Seigneur, il ne nous a pas donné la Bible comme un signe distinctif du christianisme. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne nous a pas donné la Bible pour dire si tu veux qu'on sache que tu es chrétien, amène la Bible. C'est faux. Parce que les pentecôtistes en ont aussi. Les dénominationnels en ont aussi. Même Judas pouvait aussi porter ça. Mais le Seigneur a dit, quand vous allez vous aimer les uns les autres, au verset 35, à ceci, quand vous allez vous aimer les autres, comme moi je vous ai aimé, à ceci, tous, ah, on n'a pas dit seulement des chrétiens. Toi, tu es chrétien seulement avec nous. Les gens de ton quartier ne peuvent jamais témoigner de toi. Les gens de ton boulot ne peuvent jamais témoigner de toi. Mais lui, le Seigneur a dit à ses disciples, quand vous allez vous aimer les uns les autres, à ceci, tous, chrétiens, païens, juifs, ainsi de suite, connaîtront que vous êtes mes disciples. Le signe d'identification d'un chrétien, c'est l'amour. Et pas n'importe quel amour. L'amour divin. L'amour agapao. C'est ça le signe distinctif de chrétien. Ici, on a des gens qui ont des Bibles. Mais en eux, il y a une crise d'amour. Quelqu'un peut-être est là. Peut-être il n'a même pas de Bible. Mais il a déjà fait l'expérience. Là, c'est un chrétien. Amen. Amen. Le signe d'identification d'un chrétien, c'est l'amour. Pas tout ce que vous pouvez faire. La connaissance, c'est bien. Oh, moi je connais les sauces, c'est bien. Ça ne prouve pas que tu es un chrétien. Aimer de la manière d'aimer de Dieu, c'est ça le signe d'identification d'un chrétien. Maintenant on se pose une question. Comment l'amour peut-il être un commandement nouveau? Humainement parlant, ça ne se justifie pas. Comment l'amour peut être un commandement nouveau? Le Seigneur ne se trompe pas. Quand le Seigneur dit quelque chose, il sait pourquoi il l'a dit. Et chaque mot qui sort de la bouche du Seigneur a une signification. Quand il parle de nouveau, ça veut dire c'est nouveau. Et nouveau, c'est toujours par rapport à l'ancien. On ne peut jamais parler du nouveau s'il n'y a pas d'ancien. Maintenant, comment le Seigneur appelle l'amour un commandement nouveau? Alors que si nous lisons dans Lévitique chapitre 19, prenons d'abord le verset 1 et 2. L'Éternel parlait à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Prenons le verset 18.
Moïse devrait aller dire aux enfants, à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Verset 18. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Kasi okolinga mojani na yo lokola yo penja. Si nous regardons avec les yeux humains, nous dirons le Seigneur peut-être avait oublié. Parce que l'amour n'était pas quelque chose de nouveau. C'était un ancien commandement. Tous les Juifs connaissaient ce commandement. Parce que Moïse avait prêché ça aux enfants d'Israël. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okolinga mojani na yo lokola yo. Mais comment le Seigneur dit, appelle ça un commandement nouveau? Nouveau, c'est par rapport à ce qui est ancien. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait un commandement sur l'amour. Mais le Seigneur, devant ses élus, dit, je vous donne un commandement nouveau. En d'autres termes, ce commandement que je vous donne, beaucoup ne les connaissent pas. Ils n'ont jamais connu ça. Mais vous, je vous les donne. Juda ne les connaît pas. Les pharisiens ne les connaissent pas. Mais si nous regardons dans Lévitique, là nous venons de lire, nous avons tous compris que l'amour c'était un ancien commandement. Et si nous prenons encore Matthieu chapitre 22 verset 36, c'est un pharisien qui pose la question à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sur l'amour, même le pharisien connaissait ce commandement-là. Ici, cet amour, ici, c'était devant le pharisien. Mais arrivé dans Jean chapitre 13, le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Un commandement que les autres ne connaissaient pas. Un commandement que les pharisiens, les sadducéens ne le connaissaient pas. Le Seigneur ne se trompe pas. Quand il parle de nouveau, c'est réellement quelque chose de nouveau. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais menti, qui ne s'est jamais trompé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit nouveau, c'est nouveau. Maintenant, relisons l'écriture de l'introduction. Jean 13:34, relisons ça. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Amen. Là c'est nouveau. Vous remarquerez dans Lévitique chapitre 19, dans Matthieu chapitre 22, le Seigneur avait dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Mais devant les élus, il dit non, je parle plus haut, tu aimeras ton prochain comme moi. Comme moi, je vous aime. Là, c'est nouveau. Là, c'est vraiment nouveau. Les Juifs connaissaient l'amour. Mais ils devraient aimer les autres comme eux-mêmes. L'amour devrait être par rapport à eux-mêmes.
bolingo etale la bango me. À l'église de Jésus. Kasi kat l'église na Yesu. L'amour bolingo. Ne devrait pas être par rapport à eux-mêmes. Kasi kat kiteta la bango me. Mais par rapport au Seigneur. Kasi kotale la nkolo. Et là c'est nouveau. Na dango wana ekomi ya sika. Réellement tous nous pouvons dire. Wana baso to kufa. Réellement ça c'est un commandement nouveau. Solo peda wana ezali la koya sika. Le Seigneur ne se trompe pas. Kolo amiko sakate. Il dit ce qu'il pense. Allo baka oya banjaka. Et il pense ce qu'il dit. Pe abanjaka wa lobaka. Et sa parole est irrévocable. Pe liloba na ye kokolongo la mate. Je peux aujourd'hui commettre une erreur dans ma prédication. Na koko sa libunga lelo katalite na. Demain je viens, je corrige. Lobi lo yei na yei pe na yolisi. Prana maya corriger certaines de ses déclarations. Bana mabongisa ebe na maloba na ye. Sur toute la terre habitée. Na mokili mo meo batwa fa. Depuis que le monde est monde. Uta mokile jala mokile. Quelqu'un qui n'a jamais corrigé. Quelqu'un qui ne s'est jamais trompé. C'est seulement l'homme Jésus. Alléluia. Amen. Il ne se trompe jamais. C'est pourquoi croyez de tout votre cœur en ses promesses. C'était un commandement nouveau. Ce n'était pas un ancien commandement. Ce commandement. Il est différent de l'amour que les pharisiens connaissaient. Cet amour, c'était un amour nouveau, un amour différent. Cet amour, c'est un amour qui est prêt au sacrifice suprême pour l'autre. Il est différent. C'est un amour qui est prêt à se sacrifier totalement et entièrement pour l'autre. Ça, c'est un commandement réellement nouveau. Dans Jean chapitre 15, versets 12 et 13, le Seigneur répète encore la même chose. C'est ici mon commandement. Ici, awa, il n'y avait pas Judas. Judas il était déjà parti. Il n'y avait pas de pharisiens. Il n'y avait pas de sadducéens. Il n'y avait pas d'appelés. Il n'y avait que les élus. Le Seigneur insiste. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Écoutez maintenant. Il n'y a pas de plus grand amour. Le Seigneur nous montre le plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour. Que de donner sa vie. Pour ses amis. Il est prêt au sacrifice suprême pour l'eau. Et le Seigneur nous a montré cela. Il ne pouvait pas nous demander quelque chose d'impossible. Non. Quand il nous a demandé ça, c'est parce qu'il sait que c'est vivable. Remarquez. Esaïe chapitre 53. Prenons le verset 10. Écoutez. Il a plu à l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il y a oui. De les briser par la souffrance. Il y a tout à l'heure dans un passé. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est un amour qui est prêt à se sacrifier pour l'autre. À sacrifier même sa propre vie. Ça, c'est un amour différent. Remarquez. Dans les commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime manger. Donc je peux te donner aussi à manger. Parce que moi-même j'aime aussi manger. J'ai besoin d'argent. Donc si moi j'ai besoin d'argent, si j'ai l'argent, je peux aider celui qui est dans les besoins. Parce que je dois payer comme je m'aime moi-même. Tu manques où dormir. Je peux te donner un endroit où dormir. Je t'aime comme moi-même. Mais je n'aime pas la mort. Or, il est dit aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Donc, je suis juste
En refusant de mourir pour toi. Parce que je n'aime pas la mort. Je dois t'aimer comme j'aime moi-même. Tu voles au boulot. On t'arrête. Je n'entrerai pas à Makala pour toi. Parce que je n'aime pas la prison. Je dois t'aimer comme j'aime moi-même. Mais l'amour du Seigneur c'est différent. Toi tu pêches, lui il meurt. Alléluia. Amen. C'est un amour hors du commun. C'est pourquoi il vous dit, aimez-vous les uns les autres, pas par rapport à vous-même, mais par rapport à moi. Amen. Vous comprendrez que beaucoup n'ont pas l'amour. Et je vous dis que c'est cet amour-là qui entrera au ciel. Lorsqu'on nous dit que l'amour entrera au ciel, c'est cet amour ici. Un amour hors du commun. Regardez ici. Il a livré sa propre vie. Pour te pécher. Prenons le verset 12. Prenons la partie B. Il est écrit. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré à la mort pour qui? Pour nous. Nous devons être aussi en mesure et nous livrer à la mort pour les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc je vous ai donné l'exemple. Je vous ai donné le modèle. C'est la vérité. Cet amour, il est dans le cœur des élus du Seigneur. Rien que eux peuvent aimer de la sorte. On peut dire que ah, là c'est difficile, frère. C'est difficile. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Je prêche ce que le Seigneur veut dans la Bible. Et la volonté de Dieu ne concerne que les élus. Si tu penses que c'est difficile, il a dit invoque-moi et je te répondrai. Demandez, on vous donnera. Nous avons le devoir de demander cela. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir. Écoutez. Yoka. Et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est la vérité. Nous devons aimer comme lui nous aime. Même le frère Franck a commenté sur ça. Dans la lettre circulaire décembre 2012. Page 3. Là, à la fin de la page. Il dit ceci. L'accent repose sur comme je vous ai aimé. C'est là que le Seigneur a mis l'accent. Comme je vous ai aimé. Et il ajoute en disant exactement de cette manière. On doit aimer les autres comme il nous a aimés. Il ajoute en disant, le véritable amour divin pratiqué, un amour pratiqué, ce n'est pas un amour verbal. Ce n'est pas un amour qui est, que toi tu caches dans le cœur. Mais un amour pratiqué. Il faut que le monde voie. Ici, il est question que les gens du dehors, les gens du dedans voient ça. Tous doivent connaître. Le véritable amour divin pratiqué est l'unique signe d'identification qui fait connaître que nous sommes réellement ses disciples. Le frère Franck aussi confirme ça. Il dit c'est un amour divin
pratiquer. Qui est le signe d'identification? Cet amour. C'est un amour qui est disposé à perdre sa vie même pour l'autre. Il est prêt à se sacrifier pour l'autre. Pour le bonheur de l'autre. Pour l'avancement de l'autre. Pour la prospérité de l'autre. Cet amour est prêt à se sacrifier. Il est prêt même à vivre pour celui qui le hait. Cet amour. Il est prêt à vivre même pour celui qui le hait. Regardez ce que le prophète dit. Dans ces jours-là sur le calvaire de 1960. Eh bien, paragraphe 87 et 88. Eh bien, Malamu, frère Branham, Neko Braname, je peux vivre pour ces frères-ci. Nako kobika pona ndeko yo boy. Parce que c'est un homme vraiment sympathique. Mpo aza moto moko malamu. N'est-ce pas? Boete. Écoutez maintenant la réponse de Branham. Boyo kasika we yano ya Branham. Vivez pour l'homme qui vous hait. Bobika pona moto yo azali ko inabino. Ça, c'est un commandement nouveau. Vivez pour l'homme qui vous hait. Vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. Le prophète dit qu'il faut vivre pour lui. Mais ici, on a même dans nos églises des gens qui ne se parlent même pas, qui ne s'entraident même pas. Ils sont à des milliers de kilomètres de cet amour. Ils ne sont pas encore devenus chrétiens, ils sont en voie. Comment tu peux être? Tu ne te parles pas avec un frère. Tu ne te parles pas avec une soeur. Mon frère, ma soeur. Tu n'es pas encore chrétien. Et si le Seigneur vient maintenant, tu vas embrasser la grande tribulation. Et si tu ne veux pas changer, le jugement de Dieu repose sur toi. Vivez pour la personne qui vous tuerait si elle a l'occasion. Mais le frère ou la sœur avec qui tu ne te parlais pas, je ne pense pas qu'il désire ta mort, je ne pense pas. C'est peut-être toi, tu ne veux pas la réconciliation. Il peut t'aider même. Mais ici, le prophète nous dit, ce n'est pas vivre pour celui donc qui n'a pas de problème, mais de vivre pour la personne. Toi-même, tu sais que où, oh yo, à côté en attendant, oh yo. Et Tobika, pour la moto, celui-là, tu sais que celui-ci peut même m'appoisonner. Mais tu vis pour lui. Parce que Tobika, pour naïe. Le Seigneur l'a montré. Kolo Atalisa Yango. On l'a humilié. Bayo, on l'a haï de toutes sortes. Bayinaï na moto no nyonso. Mais à la croix. Kasine Koulousou. Du père. Pardonne-le. Tata. Pardonne-le. Limbi Sanibango. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bayebite Obazo Sala. Et il était prêt. À Selingwati. À tout. Na nyonso. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre de la sorte. Je crois qu'il y a des élus de Dieu ici. Je crois qu'il y a l'épouse du Seigneur ici. Je crois qu'ils vivront ces commandements nouveaux. Prenons 1 Jean chapitre 3. Le verset 16 à 19. Tata nazomi na moto bakino jomi na libo. Écoutons le témoignage de l'apôtre. Toyo kalita toli na ntoma. Nous avons connu l'amour. Bisoto sila ki koyeba bolingo. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Na likambo yo ete a sila ki kopesa bomo na ye pona biso. Il a sacrifié sa vie pour nous. Akabi bomo na ye pona biso. Nous aussi. Biso pelokola. Ça c'est le deuxième témoin. Wana li motato li abibali. Nous aussi. Biso pelokola. Nous devons. E sengeli na biso. Pas nous pouvons. Toko kite. Nous devons donner notre vie pour le frère.
Ça, c'est le plus grand amour. De même que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Nous qui se disons croyants. Nous qui se disons croyants. Nous devons aussi donner nos vies pour le frère. Est-ce que toi tu donnes ta vie pour le frère? Au contraire. Tu es problématique. Si on te piétine seulement. On te taquine seulement. C'est une bombe qui explose. Ce n'est pas ainsi avec le Seigneur. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, Dieu te permet de voir. C'est seulement toi qui as vu que ce frère-là souffre. C'est seulement toi. Et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc tu es en train de mentir. Tu as vu un frère, une sœur dans les besoins. Tu as vu, tu le sais, tu en parles même. Qu'est-ce que tu as fait? Et quand tu n'as rien fait, moi aussi je te pose la question comme Jean. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? S'il voit son frère, voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles. Regardez le Seigneur. Si Dieu avait fermé aussi ses entrailles, est-ce qu'on devrait être sauvé? On ne devrait pas être sauvé. Il a ouvert. Il a répondu à notre besoin. Nous voici sauvés. Si toi aussi Dieu t'a donné le bien dans ce monde et que toi tu fermes ça à toi-même, tu ne vis pas de l'amour du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Si Dieu avait fermé seulement ses entrailles, ferme. Toi et moi, on devrait être dans des bars maintenant ici. On devrait être derrière les chanvres maintenant ici. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il ne nous a pas fermé ses entrailles. Et il nous a envoyé un puissant sauveur. Tant aimé le monde. Et cet amour-là est clos. Et Jésus a apparu. Et moi je suis sauvé. Et toi tu es sauvé. Et ma sœur est sauvée. Grâce soit rendue à Dieu pour ça. Cet amour, c'est un amour qui protège l'autre, mais qui se livre soi-même. C'est commandement nouveau. C'est un amour qui est prêt. Il y a un cas. Je me livre moi-même. Je protège mon frère. Mais aujourd'hui nous voyons le contraire. Un frère, peut-être on l'a présenté ici, il a mal vécu. Il a demandé pardon, on a prié pour lui. Pour toi c'est devenu une récitation dans les quartiers, dans la maison. Si dans la famille on parle par exemple de la débauche, toi tu commences à faire des commentaires. Mais d'ailleurs, dans notre église, on a présenté un frère. Il vivait dans le désordre, dans la débauche. Tu ne les protèges pas. Et tu dis ça devant ta famille païenne. Comment ils vont croire? Cet amour, c'est un amour qui protège l'autre. Même si je sais que dans mon église il y a tant de failles, mais devant les païens, j'aurai la possibilité de toujours couvrir cela.
Même si quelqu'un de ma famille, un païen, a vu mon frère dans l'erreur, dans la faute, il vient me le dire. Je dirai non. Tu as mal vu. Si un bon frère dans notre église, si une bonne soeur dans notre église, c'est celui-là. Mais toi, tu ne protèges pas le frère. Tu ne protèges pas le soeur. Au contraire, tu l'enfonces. Tu n'as pas ces commandements nouveaux en toi. Et le Seigneur revient très bientôt. Rien que ceux qui ont ces commandements en eux. Et qui le met en pratique verront la face de Dieu. C'est la vérité. Cet amour, c'est un amour qui protège l'autre, qui se livre soi-même. Peut-être dans ta famille tu as commis un dégât. Il commence à dire les gens de ta famille, vous tous êtes dans le tabernacle, c'est seulement comme ça. Bato ya tabernacle bazaka boy. Si tu as cet amour en toi, tu diras, les autres ne sont pas comme moi. Les autres ne sont pas comme moi. C'est moi qui suis comme ça. Les autres sont meilleurs. C'est un amour qui protège l'autre, qui se livre soi-même. C'est cet amour. Un amour qui est tourné vers l'autre. Jean chapitre 18. Yohane Jomina Mwambe. Jean chapitre 18. Yohane Jomina Mwambe. Prenons le verset 7 et 8. Dokamatani tata na ntambo mpe ya mwana. C'est lorsqu'on est venu arrêter le Seigneur. Ezali tango ba yakiko kanga kolo. On vient pour l'arrêter. Ba ye pona kokanga ye. Jésus leur demanda de nouveau. Yesu atuna ki bango lesusu motuna. Qui cherchez-vous? Bozo lukani nani? Et il dit Balobi. Jésus de Nazareth. Yesu na Nazareth. Jésus répondit. Yesu yanoli. Je vous ai dit que c'est moi. Na yemsi bino ete ngai yoyo. Si donc c'est moi. Soki ezali ngai. Que vous cherchez. Ndebo koluka. Laissez aller ceci. Botika ba oyo bakende. Alléluia. Amen. Un amour qui protège les autres. Bolingo ezali ko batela baninga. Mais qui se livre soi-même. Ezali ko mika ba yango moko. Le Seigneur dit. Kola lobi. Si c'est moi que vous cherchez. Soki ngai ndebo koluka. Laissez aller les autres ici. Tika ba susu oyo bakenda. Pierre, laissez-les. Peut-être bo bokende. Botika bango. Arrêtez-moi. Laissez aller ceci. Un amour qui se livre, mais qui protège les autres. Le Seigneur n'a pas voulu qu'on touche aux autres. Il n'a pas voulu qu'on touche à ses frères. Il dit, si c'est moi que vous cherchez, je suis l'arrêté moi. Mais pour les autres, laissez-les partir. C'est un amour qui se livre pour que l'autre soit protégé. Un amour hors du commun. Mais aujourd'hui, au lieu que nous voyons cet amour-là dans nos églises, nous avons même des frères qui amènent d'autres frères devant les tribunaux. Ça, c'est une trahison. Qui a trahi le Seigneur. Il n'y a pas une raison valable, n'importe quelle raison, tu ne peux pas amener un frère devant la justice. Il n'y a pas cette raison-là. Ça fait mal. Et ça la passe un frère. Il amène un frère devant le juge. Un juge peut-être homosexuel. Le soir, il prend d'abord du chanvre. Et la journée, il vient en tauge. Bongo na moi ayena zambala na yewana. On voit Saint Martin et Saint Jérémie devant lui au tribunal. Bazomona mon saint Martin na Yelmia liboso na ye na liboso na bazuzi kuna. Le démon juge, il est là. Bongo zuzi. Le démon juge. Eh, mon démon na yu mon saint Martin na Yelmia. Saint Jérémie. Eh, démon na zuzi azali wana ko samisa ka mon saint Martin na Yelmia. C'est une honte. Sony. Qu'un incirconcis puisse juger les circoncis. Quelle soit la raison, tu n'as pas ce droit-là. Si tu as cet amour en toi, tu protégeras ton frère. Même si vous étiez en train de se disputer avec le frère. Le frère a volé dans ton entreprise.
dans ton entreprise. Tu es en train de le gronder, d'étonner. Les policiers viennent. Si tu as cet amour en toi, tu protégeras le frère. C'est vrai. Solo. C'est un amour qui protège les autres. Regardez notre Seigneur. Il savait que Judas était un voleur. Lorsqu'on lui est, on est venu lui demander l'impôt, il dit, vraiment, la folie de Judas va être manifestée maintenant. Il dit, non, je dois le protéger. Pierre, Petelo, va à la rivière. Le premier poisson que tu attraperas, ouvre dans sa bouche et prends l'argent qu'on vient payer. Tu payeras pour toi et pour moi. Jésus a protégé même les voleurs, Judas. Il ne l'a pas livré. Akaba qui était. Et puis il lui a confié même la caisse. Quelle confiance. Mais aujourd'hui, je sais que frère Dodo, c'est un voleur. J'ai besoin d'un caissier. Là, il faut la grâce de Dieu pour que je le prenne. Mais le Seigneur, ce n'était pas le cas. Il connaissait que Judas était un voleur. Il lui a donné la caisse. Sa folie devait être rendue manifeste. Il le protège. Cet amour protégera toujours l'autre. Luc chapitre 22. 31 et 32. Nous lisons. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Simona, Simona, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froments. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est un amour qui est tourné vers l'autre. Un amour qui protège l'autre. Qui ne veut jamais la chute de l'autre. Jésus a vu comment les disciples devaient être pris par le diable. Il a tout laissé. Il est allé à genoux. Seigneur, aide Pierre. Tu connais ses faiblesses. Tu connais ses chutes. Mais je te demande de l'aider. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand un frère pêche, les autres acclament. Les autres sont contents. Tu es différent de Jésus, toi. Aller au ciel. Il doit être formé de la même matière que le Seigneur. Parce que l'épouse est l'époux parole. L'épouse doit être aussi une épouse parole. Quand le Seigneur avait vu la chute de ses disciples, il est allé à genoux. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Quand un frère tombe dans le péché, toi tu es content. Il en a eu pour son compte. Qu'est-ce qu'ils pensent eux là? Quelqu'un est tombé. Mais toi tu acclames. Yo, longue jupe. Et elles ont l'habitude de porter des longues jupes. Une sœur critiquant une autre sœur. Mais comme moi, elles sont toujours là devant pour qu'on les voie. Azui. Elle en a eu pour vraiment, son compte. Ma sœur, c'est tout sauf l'amour. C'est un démon qui te fait parler. Au contraire, on devrait beaucoup pleurer si on présente un frère, il est tombé dans le péché. C'est un but que le diable nous a marqué. Avez-vous déjà vu les léopards de la RDC, qui jouent avec l'équipe de la du Rwanda? Rwanda marque. Rwanda est tiers mokele. Le Congo commence à acclamer. Congo va nous baboko. Et ça ne peut pas nous enseigner ça. Et Congo la qui s'habille sur des ricaboyo. Même si c'est le défenseur qui a commis l'erreur. Ah t'as qui défenseur de Asai Libunga. Nous devons tous consommer l'erreur là. Et c'est bisonyo soto kwe na Libunga. Mais aujourd'hui on commence à répandre le mal d'un frère. Basileo botobani ko panza mabe andeko.
Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu as un semblant d'amour. Le Seigneur avait prié pour lui. Je n'aurai pas le temps vraiment de lire ça. Vous irez lire ça, mais je vais relater ça. CO2 numéro 2. Page 639. Le cas est à 639. Paragraphe 251. Vous irez lire ça. Il dit ceci. C'est beaucoup, mais. Bon, je prends le milieu. Et souvenez-vous. Quand vous priez pour quelqu'un d'autre qui a des ennuis. Au début, il est en train de dire ceci. Maintenant, nous allons tous faire des erreurs. Souvenez-vous-en. De là au milieu, il dit ceci. Souvenez-vous, quand vous priez pour quelqu'un d'autre qui a des ennuis, Dieu vous honorera et vous guérira. C'est la base du christianisme. Quand l'autre est dans les erreurs, quand l'autre a les ennuis, le secret c'est quoi? Pour que Dieu puisse t'honorer, va prier pour le faible. Et le prophète dit, Dieu t'honorera, il te guérira. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous faisons. Quelqu'un a des ennuis, il est dans les péchés, on s'en moque. Allez lire ce paragraphe-là, vous allez tout voir. Là. C'est un amour qui tourne vers l'autre. Qui protège l'autre. C'est ça, cet amour. On doit se discipliner, mes frères. De ne jamais parler en mal de quelqu'un. C'est ce qui tue nos églises. Que Dieu nous accorde la grâce. Cet amour, c'est un amour qui ne veut jamais voir l'autre souffrir. Si tu as cet amour-là en toi, tu ne voudras jamais voir l'autre souffrir. Tu ne voudras jamais. Pourquoi toi tu n'es pas sensible? La réponse est là. Et y'a nos alliés. Tu n'as pas seulement ce commandement en toi. C'est pourquoi tu ne te déranges pas. Mais si tu as cet amour en toi, cet amour te poussera à faire. Ce n'est pas toi, l'amour te poussera. L'amour lui-même va te pousser à faire. Pas toi. L'homme. Par nature, c'est un raté, il est déchu. Mais l'amour de Dieu en toi t'aidera. C'est un amour qui ne veut jamais voir la souffrance de l'autre. La peine de l'autre. Qui prend toujours la place de l'autre. Toujours dans Luc 22, verset 40. Là. Luc 22, 40 à 42. Lorsqu'il fit arriver dans ces lieux, c'est Jésus. Quand on devrait l'arrêter, il considérait aussi que sa vie de non, je dois aussi vivre. Je ne dois pas porter le péché des impies. Non. Lorsqu'il était dans cette angoisse-là, il dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Disant, Père, Tata, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mourir pour eux. Moi je suis né un saint bébé. Mais ils sont nés de pécheurs. Ils pêchent comme ils boivent, c'est comme s'ils boivent de l'eau. Seigneur,
si c'est possible. Ah, kolo, ce que vous savez, cette coupe est loin de moi. Eh, je ne vais pas mourir pour eux. Je ne vais pas mourir pour eux. Mais il a vu notre souffrance. Il nous a vu en train de souffrir. Cet amour en lui l'a poussé à dire au Seigneur. Quand il a vu, il dit toutefois que ma volonté ne s'efface pas. Ma volonté c'est de vivre. Ma volonté c'est de protéger ma vie. Mais si je la protège, les autres vont souffrir. Accomplis seulement ta volonté. Et le Seigneur est mort pour nous. C'est un amour qui ne veut jamais voir l'autre souffrir. Dans Esaïe 53. Esaïe 53, 4 à 6. Il dit ceci. Abiboye. Cependant, Zokande, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Papa, si cet amour ne veut jamais voir l'autre souffrir. Le Seigneur a vu notre souffrance. Il s'est chargé de nos souffrances. Et nous, aujourd'hui, nous sommes libres. Parce que lui a pris nos souffrances. Regardez. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Verset 5. Il était blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Nous étions errants. Alléluia. Amen. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bongo Yahweh a quoi un amour qui est tourné vers l'autre. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai. Nous devons aimer comme le Seigneur nous a aimés. Il nous a montré l'exemple. Pas un faux amour. Un faux amour. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, ceux qui étaient avec lui, ils ont pris la poudre d'escampette. Un autre disciple, il dit à moi, j'aime le Seigneur. Il prend les draps, il met. Il suit le Seigneur. À l'intérieur, il était nu. On vient l'arrêter. Il dit, oh, mourir pour sa place. Rien. Il lâche le drap. Il prend fuite. C'est ce que nous voyons même parmi nous. Quand le temps du test d'amour vient, beaucoup prennent fuite. Je crois Olala Matanga il y a de cela 4 ans. Ça fait longtemps que tu as passé nuit dans un deuil. Ça mais fait peut-être 4 ans. Matanga ou ya famille na bino zala Olala qui semaine passée. Mais dans le deuil de votre famille là, tu as passé nuit la semaine passée. Mais frère T, il y a ma frère T. Pas le deuil de frère. Que Dieu nous aide. Un amour qui est tourné toujours vers l'autre. Qui regarde au bien-être de l'autre. Dans Luc 22, 50-51. Lorsqu'on est venu arrêter toujours Jésus. Pierre a dit. Je vais lui prouver aujourd'hui que je l'aime. Je vais lui prouver. Que moi j'ai l'amour, je l'aime. Il voit quelqu'un venir toucher Jésus. Tire son épée. L'oreille. Il dit, Seigneur, tu as vu. Moi je t'aime. L'amour du monde cause toujours des dégâts. C'est ça l'amour du monde. Pour ma femme. Je peux me bagarrer avec quelqu'un. Pour ma femme, je peux faire arrêter quelqu'un. Ce n'est pas ça le vrai amour. Ça, c'est l'amour charnel. Tellement que j'aime ma femme, je vais combattre tout celui qui voudra la toucher. Mais ça, ce n'est pas l'amour du Seigneur. Pierre pensait
causant les dégâts, il prouverait son amour vis-à-vis du Seigneur. Au contraire, le Seigneur l'a réprimandé. Il dit, retourne ton épée dans le fourreau. Il est venu. Il a remis l'oreille. Alléluia. Amen. L'amour du monde Bolingo ya mokili cause des dégâts. Et ça, yo son beba. L'amour divin Bolingo nanza répare les dégâts. Et bongi sakaba beba. L'amour de Pierre Bolingo ya petelo pour Jésus bona Yesu a causé les dégâts. Et ça, qui beba. L'amour divin Bolingo nanza en Jésus Petre Yesu a réparé les dégâts. Et bongi si beba. Si tu as cet amour en toi, cet amour réparera toujours les dégâts. L'amour du monde cause des dégâts. Pour ta femme, tu peux te chamailler avec quelqu'un. Oui, c'est l'amour. Mais l'amour du monde, il cause des dégâts. Mais l'amour du Seigneur, il répare les dégâts. C'est la vérité. Il répare les dégâts. Et puis si vous lisez cette écriture-là, le Seigneur avait grondé Pierre. Laissez, arrêtez. Ça c'est un bon pasteur. Il n'encourage jamais les brebis à faire le mal. Il n'encourage jamais la brebis à s'attaquer aux autres. Aujourd'hui, nous avons même des pasteurs les du haut de la chair. Ils sèment la haine dans les croyants contre une autre église. Contre d'autres frères. Non, nous ne sommes pas frères dans le message. Nous sommes frères dans le sang de Jésus. L'amour de Jésus a réparé les dégâts. L'amour de Pierre a causé des dégâts. Et le Seigneur l'a grondé. C'est la vérité. Nous devons aimer de la manière du Seigneur. C'est l'amour, le genre d'amour que le frère Banam a dit, c'est l'amour parfait, entrera, c'est cet amour-là. Du vivant de frère Branham, il en parle dans les COD là-bas. Le frère Junior Jackson, il est sorti, il a quitté l'église. Il est allé avec d'autres frères. Branham n'a pas en fait un problème. Branham était son pasteur. Maintenant, un frère de Branham Tabernacle a vu un autre frère de Branham Tabernacle aller dans l'autre église. Il dit, oh mon frère, Abi, oh, toi tu es allé chez les oiseaux morts. Yo, okay, pa, bandeko, bakufa. Quand Branham a entendu Dango, ça, Branham, yo, ki, ango. Que ses enfants ont taxé les autres là des oiseaux morts. Et te, bala, na, ye, ba, bengi, ba, susuana, bandeko, bakufa. Dans COD 2, page 842, paragraphe 124. Dans COD 2, page 842, paragraphe 124. 842, paragraphe 124. Quand Branham a entendu ça, il était fâché. Asirikaki. Il est monté du haut de la chaîne. Il dit, toi, Abiyo, tu peux être mon enfant ici. Okoko za mais j'ai honte de toi. Kasi na zoyo kayo soni. Comment tu peux taxer les autres d'oiseaux morts? Il dit, c'est son frère. Ils étaient libres de sortir. Ba, ça, c'est un bon pasteur. Wana, il ne révolte jamais son église contre une autre église. Au contraire, l'amour en lui répare toujours les dégâts. Il répare toujours les dégâts. C'est vrai. Nous ne sommes pas frères dans le message. Nous sommes frères dans le sang. C'est le sang qui fait de nous des frères. C'est la vérité. Je termine en lisant quelque chose ici. Cet amour, c'est un amour qui aime même celui qui le persécute. Pierre a beaucoup persécuté les croyants. Il a beaucoup persécuté les croyants. Paul. Paulo a nyokola ki mingi bandimi. Mais le Seigneur, Kasikolo, malgré cette persécution là, atako nyokola wana. Il a continué d'aimer Paul. Akoba ki kolinga Paulo. Il lui a apparu. Amona na ke pana yebina ki. Et lui dit, Saul, Saul.
Saulo. Pourquoi me persécutes-tu? Quand quelqu'un a l'amour, ça se sent même dans les langages. Tango motozana bolingo okoyoka ngwata na ilobeli. Même celui qui persécutait, Dieu est venu à lui. Ata motoza ki konyokola nzamba bibelie. Mais nous, quand quelqu'un est contre toi, tango motomo ka telmelio, tu es indifférent. Yo ozangi ko tutama. Ce n'est pas correct. Ezemala mute. Lisons dans la prédication l'amour divin. Totanga katna litea oyo bolingo na bonzambe. Et la grâce souveraine. Mpe ngolu oyo nzambe asala ka soka lingi. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 12. Boyoka o mosa kwaza koloba na iteni ya zombe na mibale. Eh bien, malamu. Bon, je saute, je prends là au milieu. Non, si le Seigneur Jésus, soki kolo Yesu, se tenait à l'estrade ce soir. Atemine tumbelo na pokwa. Donc le Seigneur Jésus est ici. Kolo Yesu Kristo azali awa. Et qu'il me regardait en face. Pe atalinga ipenza mbuzu na mbuzu. Il dit, Branham dit, si le Seigneur me regarde moi. Abi, Branham alobi soki kolo azo talanga penza bungai boy. Et dit, pe alobi. Il me regardait en face et disait, Branham, je vais te donner ce que tu choisiras. Tu peux être une personne importante. Si tu veux, je te le donne. Un grand prédicateur. Si tu veux devenir un grand prédicateur, dis-le-moi. Je te donnerai le don de prêcher l'évangile. Ou je te donnerai le don d'enseigner la parole. Ou je te donnerai le don de guérison divine. Je te donnerai le don de prophétie. Ou je ferai de toi un prophète, ou je te donnerai n'importe quel don excellent de la foi. N'importe lequel des dons qui se trouvent dans la Bible, je te les donnerai tous. Mais alors, si je te donne tout ça, je vais te priver de l'amour. Soit je te donnerai l'amour et je te priverai de ces choses. On soumet Branham à un choix. Bâti Branham et Liboso na kopona. Branham, Branham, si tu veux, je te ferai de toi une personne importante. Un grand prédicateur. Quand tu prêches, même la chair bouge. Ton de guérison, je te donnerai. Ton de prophétie de langue, je te donnerai. Mais je te priverai de l'amour. Les choix, maintenant, Branham doit choisir. Branham dit ceci. Branham, je dirai, Seigneur, Kolo, prends tous les dons. Prends tous les dons. No et laisse-moi avoir l'amour. Si prends tous les dons. No laisse-moi avoir l'amour. Si voyez, car Jambi, peu importe combien de dons nous avons, ils ne nous serviront à rien. Moi je suis prédicateur. Moi ça nous servira à rien. À moins que l'amour de Dieu soit le motif derrière les dons. Si tu es prédicateur, mais si tu n'as pas l'amour, tu es nul. Tu commenceras à te comparer aux autres prédicateurs. Moi je prêche bien plus que celui-ci. Moi je prêche bien plus que celui-là. C'est le manque d'amour qui te fait ça. Tu n'as pas l'amour. Si tu as la prophétie, mais tu n'as pas l'amour, tes prophéties seront toujours à mal contre les frères qui ne te font pas du bien. L'amour Bolingo doit être le motif derrière les dons. Et Dieu nous accorde cet amour. Et Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit loué. Amen. Le lema qui nous fera entrer au ciel. Et on dit seul. 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 Très fort. Seul. Bobele kaka.
Que Dieu nous vienne en aide. Nous levons pour la prière. Tout est pour la rebondir là. Thank you.
merveilleux Père céleste, Dieu tout-puissant. Yabola mutata na likolo nzambe na nguya nyonso. Auteur de la parole que nous venons d'écouter. Kolo liloba liwuti bisoko yoka. Seigneur, avec nos têtes et nos cœurs inclinés. Kolo na mito pe mitema na biso mikitsami liboso na yo. Nous te disons sincèrement merci. Na motemo mbimba totondi obotondi. Merci pour cette merveilleuse parole. Mbotondi pona liloba oya kitoko. Merci Seigneur pour ton amour insondable. Melesi kolo pona bolingo na yo ekokopima mabojindo te. Cet amour qui a produit pour nous le sauveur. Bolingo oyo epoteli biso mobikisi. Cet amour qui a produit pour nous le calvaire. Bolingo oyo epoteli biso ekulusu. Cet amour qui a produit pour nous la grâce souveraine. Bolingo oyo eboteli biso ngolu na Nzambe. Seigneur, kolo, nous n'avons rien mérité. Tobongi na iloko moko te. Tout ce que nous sommes, nyoso tozali, c'est l'expression de ton amour envers nous. Ezali kotalisama ya bolingo na yo epai na biso. Nous te demandons une chose, Dieu bien-aimé. Tolombi iloko moko nzambe molingami. C'est cet amour parfait en nous. Ezali bolingo ebonga kwa kat na biso. Nous voulons vivre ta vie, Seigneur. Tolingi topika ni bomoi na yonkolo. Nous voulons vivre comme toi sur cette terre. Tolingi topika lokola yo. Nous voulons marcher comme toi. Tolingi kotambola lokola yo. Nous voulons faire des choses comme toi. Tolingi kosala makambo lokola yo. Donne-nous ton amour, Seigneur. Pesa ni biso bolingo bwa yonkolo. Et ton amour en nous. C'est toi-même vivant en nous. Ezali yome iko bikaka kat na biso. Et toi en nous. Bongo yo kat na biso. Nous sommes plus que vainqueurs. To l'équipe nza balongi. Nous voulons vivre comme toi, Seigneur. To lingi ko bika lokola yo kolo. C'est pour cela que nous implorons ta grâce. Tina ponango ne to iko bele langlu na yo. Viens vivre en chacun de nous. Yakani kobika kat na moko moko na biso. Car comme tu nous l'as dit ce soir. Lobango ndenge lobaki ngona pokwa lelo. Et par notre nature, il n'y a rien de bon en nous. Na ndenge na kobota na biso peza eloko moko malamo za kat na biso te. Mais si toi tu viens vivre en nous. Kasi soki yo ye kobika kat na biso kofanda kat na biso. Nous sommes différents des hommes. Toko kesene na bato mosusu. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Mpambola iloba na yo o mitema mia biso. Bénis ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler. Mpambola mosai na yo sali pona kolobela biso. Bénis ton peuple qui a aimé cette parole. Mpambola libota na yo lingaki iloba liye. Que ton amour, Seigneur, remplisse nos cœurs. Tika ete bolingo na yo kolo et tondisa mitema mia biso. Que ton amour transforme nos vies. Mpe bolingo bwa yo bo bongo la bomo ibwa biso. Conduis-nous sur le chemin de la sainteté. Kambani biso na zana bo santu. Et pourvoir aux besoins de chacun. Peya nola ni na bo senga na moko na moko. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na Christo Christo. Amen. Amen. Nous allons chanter. Tous huit cantiques numéro 15. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis envers le ciel. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'un, oh, remplis-moi. Oh oui, Seigneur. Colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'un, oh, remplis-moi. Oh oui, Seigneur.
de moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'âme. Oh, remplis-moi. Oh oui, Seigneur. Colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'âme. Oh, remplis-moi. Oh oui, Seigneur. Colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt la fin des courses, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante roi béni sur la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi. Oh oui, Seigneur. Colombe, marchez toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oye, sunde kona volingo. Yo, lingi nga mingi. Yo, kufe la kinga. Yemba alleluia. Ungana lingi kolo Yesu. Alleluia na Yesu. Oh ngaina lingi zambe nanga. Oh yemba alleluia. Ungana lingi kolo Yesu. Alleluia na Yesu. Oh, ngaina lingi nzambe nanga. Yesu yo malamu mingi. Upesa kinga bomo. Eko zala pena seko. Bomo eko silate. Yemba aleluya. Oh, ngaina lingi kolo. Alléluia na Yesu. Oh, ngaina lingi nzambe nanga. Oh, yemba alléluia. Oh, ngaina lingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Oh, ngaina lingi nzambe nanga. Oh, Sokoliwa yo kolongwa nangaite yo sopaki makila witengai na zwabongo yemba aleluya ongai na lingi kolo Yesu aleluya na Yesu ongai na lingi nzambe nanga. Oh, yemba, alleluia. Oh, ngaina lingi kolo Yesu. Alleluia na Yesu. Oh, ngaina lingi nzambe nanga. Ata bato bakoboya yo. Bakolinga satana. Yemba alleluia. Ongaina lingi kolo Yesu. Alleluia na Yesu. Ongaina lingi nzambe nanga. Oh yemba alleluia. Ongaina lingi kolo Yesu. Alleluia na Yesu. Oh, ngaina
Que notre Dieu soit loué. Nzambe la biso akumi sama. Nous avons le pasteur Sam Kitoko qui nous a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mobate li Sam Kitoko avec tout mbote na kombo ya Nkolo Yesu Kristo. Le jeudi nous avons adoration. Pour les cas des obsèques du défunt père de notre frère Tito, on dit que demain il y avait mortière et le mercredi c'est la levée des corps à partir de Kasangoulou. Levée des corps de Kasangoulou. Et enterrement chez Mingadi Nouvelle Cité. Pour le deuil de la défunte sœur de notre sœur Ndona. La veille mortière, c'est le mercredi 4. Elle se menace à la résidence familiale, c'est en Benseke. Route de Matadi numéro 1. Arrêt parking. Et la levée du corps et l'enterrement interviendront le jeudi. On dit qu'en entendant, le deuil se tient dans la parcelle sur l'avenue Loi du numéro 12. Arrêt Monishop à Kitambo. Arrêt Monishop Kuna na Kitambo. Référence la maison LMK. Référence Isali Ndako LMK. C'est le centre de formation chez le frère Koli. Centre de formation et pas Yandeko Koli. Pour le deux cas, nous continuons avec l'offrande d'amour. Nous disons offrande d'amour. Nous insistons sur amour. Parce que nous avons besoin que les scores puissent changer, c'est les administrateurs. Nous avons besoin d'un autre son de cloche par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Pour ce soir, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous avons le frère Eliezer au milieu de nous. Pasteur de l'Assemblée de Koweït. Et puis passer rapidement saluer les lits. Que le hymne notre Dieu vous bénisse. Que je puisse transmettre vos salutations à vos frères. Je disais que nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Sincèrement, tous nous avons crié que Dieu bénisse le frère Destin. Je crois que j'ai dit vrai. Nous allons prier pour lui. Que nous restions là. Afin que nous continuions à progresser. Comme nous avions dit dans les commentaires, le petit commentaire que nous avons fait juste après sa prédication. Et le frère Mabouki a prié encore comme ça. Seul l'amour. Nous avons besoin d'aller au ciel. Seul l'amour. Nous avons besoin de cette profondeur pour le mercredi, le vendredi et les dimanches. Nous avons vraiment besoin qu'il puisse aller en profondeur. Tel qu'il a commencé, qu'il puisse évoluer. Et que Dieu nous vienne en aide. Prions pour lui. Parce que le diable n'aime pas des sorts comme ça. Le diable n'aime pas comme ça. Nous savons de quoi nous parlons. Que Dieu nous assiste. Et qu'il assiste le prédicateur. Du reste, que Dieu vous bénisse. Et allons dans la paix du Seigneur.